Prochain arrêt, Grand Arenas. Grand Arenas. J'avais pris un bus depuis Nice pour aller jusqu'à Saint-Martin-de-Vésubie. Et là, on vient de changer de bus à Saint-Martin-de-Vésubie pour monter jusqu'à Saint-Dalmas, à Val-de-Vlore, au départ de notre randonnée. Nous voici à Saint-Dalmas. On va remplir notre gourde. Dirait Lauriane, au grand mot, les grands remèdes. Elle vide son sac pour retrouver les bâtons de saucisson du marché. Je les ai pas. Alors, premier repas, de la semoule aux épices avec des pois chiches et des carottes. C'est luxe. Top. Y, oh non. Alors, prénom Yves. Marc Gucci. Il reste créature fantastique. Les quoi? Les gnomes. Ah, les gnomes. Ah oui. Voilà le chemin dans lequel nous passons. Il n'y a absolument aucune balisière d'ailleurs. Ouais. On a peut-être loupé un panneau. Alors que c'est hyper bien indiqué. Là, on va pique-niquer. On a hyper faim et on a chaud et mal au dos. On l'attendait depuis longtemps, le Boréon, et on est enfin arrivé. Puis là, du coup, comme endroit de pique-nique, on a choisi juste à côté des chèvres. Alors là, on est au lac de... On est à un lac et on va aller se baigner dedans et se laver dedans aussi. On se réjouit. Même si on a peur de ne pas rentrer de geler. Donc ça, c'est une portion pour deux personnes. Et le paysage est vraiment splendide, la lumière aussi. On est mardi soir, il est autour de 20h30. Margot est prête à se coucher depuis 1h30. Et moi, je suis là. Encore à la bourre. Toujours à la bourre. Il est précisément 20h34. Parfait. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est presque 8h, on quitte notre zone de bivouac, ici, et on part pour le pas de l'Adre. Et puis on a une grosse journée qui nous attend, on espère arriver dans la Vallée des Merveilles ce soir, donc on verra. On est parti de
enfin du milieu là, de ce lac là. Ok. On a fait tout ça. Tout ça. Oula. Et jusque là. Jusque au refuge de Nice. On est donc à l'étape 16 sur 35. Ça va. C'est pas trop mal. Alors là, on vient de s'acheter une tartine ici au refuge de Nice. Tu peux répéter ta dernière affirmation. Ça glisse un peu finalement. Alors là, on est à l'entrée de la vallée des merveilles. Et pour bien rentrer, on rencontre deux bouquins qui n'ont pas peur de nous, qui sont tout proches. On vient de prendre notre douche chaude. Bon, ça dépend pour qui. On est toutes propres, prêtes à aller manger notre repas, notre festin de roi. Avec un joli soleil qui est en train de se lever, et Margot agrémente son porridge de petits bouts d'abricot secs. On quitte le refuge des merveilles. Il est 8h04. On passe à côté d'un petit lac très joli. L'objectif ce soir, ce serait d'être à Sospel. Et on va y arriver. Ouais. Voilà. C'est tout. On vient juste de passer la pointe des trois communes et le GR nous faisait passer par baisse de campagne, par une étape des heures comme un défi. Du coup, on a décidé de couper au plus court. Donc là, on est en train de prendre le petit raccourci pour rejoindre le GR vers Cabane Vieille. Allez voir la réaction de quelqu'un qui a vraiment très chaud. Ça c'est le bonheur. Le bonheur. Avec les petits coups de soleil de la journée. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Elle est bonne ? Très bonne. On a décidé de venir se laver et manger au bord de la rivière, mais c'est probable qu'on parte dans 2 minutes parce qu'on a peur qu'il y ait des moustiques. Voilà, mais sinon c'est très joli. 14h15.
tôt ce matin pour aller voir le coucher de soleil. Lever de soleil, bien sûr. Enfin, à quoi là ? Bah ça, ça fait 2h15 qu'on marche. Et c'est le point culminant de la balade, non ? Oh ! Vu qu'on a le droit de faire le poirier, Lauriane a le droit d'enlever un caillou de sa chaussure. C'est la condition. Quand le cordier tient sa chaîne à boule, les trois cordes de chaîne une boule. Quand le cordon de la chaîne se déboule, le cordon déchaîné fait débouler la corde. Ah, on arrive. On est arrivé. Après une grosse journée. Bravo. Et voilà. Là, on est vraiment arrivé. Enfin, on va manger maintenant. Ouais. Alors là, on a fini de manger, on va direct sur le camping, mais juste avant, on se fait un petit plaisir. Un petit plaisir glacé pour se rafraîchir un peu. Maison faite sur place et elles sont trop trop bonnes. Surtout la spéculoos et les chocolats. Et du coup, ça c'était la récompense de la journée de marche et du réveil matinal. On est content d'être arrivés.